Et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Brief, votre rendez-vous d'avant-match sur Azure TV. Très heureux de vous retrouver pour ces 26 minutes d'émission consacrées bien sûr à l'OGC Nice et à la rencontre du week-end demain à 20h à l'Allianz Riviera. 18e journée de Ligue 1, le Gym reçoit la lanterne rouge du championnat, le FC Sochaux-Montbéliard. L'heure ou jamais, si l'on peut dire, car les doublistes n'ont pris qu'un seul petit point à l'extérieur depuis le début du championnat. Un match donc idéal pour stopper l'hémorragie de défaite et repartir du bon pied. Nous nous intéressons également ce soir au cas Eric Botteac. Beaucoup d'espoir autour de son retour. Son expérience, son audace et sa qualité de passe seront peut-être salutaires demain soir. Enfin, Sochaux, c'est donc l'adversaire, une équipe qui aura du mal à se sauver avec ses 8 points de retard sur le premier non relégable. Mais attention tout de même, les Lyonceaux n'ont, comme on dit, rien à perdre sur cette rencontre. Voilà pour le sommaire de cette émission. Laissez-moi vous présenter le plateau du soir. Nassim Tiresh, comme ça chaque semaine. Bonsoir Nassim. Salut Nico. Vous êtes en forme? Toujours. Toujours ouais, là. La semaine bien. A été bonne auprès ça des joueurs. Ça a été. Alors, cool. Vous savez qu'à côté de vous, vous avez un fidèle de l'OGC Nice, Bernard Castellani. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Vous êtes resté 10 ans au club entre 71 et 81. Vous occupiez le poste d'attaquant. L'occasion de parler avec vous dans cette émission un petit peu plus tard. Voilà, du rôle de Darius Vitanić et du manque de confiance. Ça fera partie aussi du débat, d'un des débats que nous aurons sur ce plateau. On va regarder les traditionnels cartons pour commencer cette émission. L'affiche, donc, c'est Nice-Sochaux demain soir à 20h. Match à revoir à 19h30 dès lundi sur notre antenne aux commentaires Mickaël Lefebvre et Poussin Mélin. L'historique entre les deux équipes largement favorable à l'OGC Nice. 33 victoires, 10 matchs nuls et seulement 9 défaites. Il faut remonter à la saison 2005-2006 pour retrouver trace d'une victoire de Sochaux. Le classement, la première partie pour l'instant ne s'y intéresse pas vraiment, si ce n'est pour dire que le PSG est toujours leader. On tourne la page et on y retrouve l'OGC Nice. Donc 16e avec 17 points, puis Sochaux 20e qui ferme la marche, donc avec seulement 8 points. Voilà pour l'état des lieux, si l'on peut dire, avant cette émission. Première question, messieurs. Nice et Sochaux vont se retrouver mercredi en Coupe de la Ligue, match à 18h45, toujours à l'Allianz Riviera. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que cette rencontre peut avoir une influence dans les têtes dès samedi? Bernard, d'abord. Oui, je pense qu'elle aura une influence, dans la mesure où c'est un match qui est très important pour les deux équipes. Donc, Nice n'a pas le droit à l'erreur, on n'a plus le droit à l'erreur. Surtout que la semaine prochaine, il rencontre en Coupe de la Ligue. Mais enfin, la Coupe de la Ligue, c'est une chose, et le championnat, c'est une autre. Donc, demain soir, Nice n'a pas le choix que de gagner ce match. Nassim ? Le match de Coupe de la Ligue, ça reste un objectif pour le club. C'est un moyen très rapide d'arriver au Stade de France. Donc, c'est aussi un objectif, mais pour l'instant, les joueurs sont focalisés uniquement sur le match de samedi. C'est pas, il y a eu cette défaite consécutive, on ne peut pas penser à la Coupe, au Stade de France. On n'en a pas beaucoup parlé cette semaine, quoi. Non. On élude cette question pour l'instant. Les joueurs, on pourra en avoir un peu discuté avec eux. C'est un peu inhabituel de jouer deux fois la même équipe à domicile. Mais voilà, pour l'instant, ce qui prime, c'est le championnat et relever la tête. Ensuite, on verra pour le match de coupe. Alors, le championnat acte 1 donc, de ce match entre Nice et Sochaux, victoire impérative, puisque je le disais dans le sommaire, huit défaites sur les derniers déplacements. On reverra ça dans la partie consacrée à Sochaux. Ils sont derniers, les Sochaliens. Est-ce que vous pensez que c'est le match idéal pour se relancer, Bernard? Mais j'espère. J'espère que... Bon, c'est sûr que c'est mieux pour se relancer de prendre une équipe comme Sochaux, où ton nom est bien, qui malgré ça fait des résultats. Mais moi, je pense que le club, cette fin de saison, c'est-à-dire cette fin d'année, je pense qu'en jouant Sochaux et ton nom est bien après, je pense qu'ils vont prendre 6 points. Donc, objectif 6 points, clairement. Oui, tout à fait. On va écouter tout de suite Claude Puel, le coach de l'OGC Nice, qui lui parle d'un cap à garder en fait, pour finalement obtenir des résultats. Écoutez. C'est important de continuer, bien sûr, à avancer et puis de garder le cap. Et je pense que tout le monde a une attitude responsable et en premier lieu, les joueurs qui ont envie... De passer cette mauvaise période le plus vite possible et en y mettant encore une fois beaucoup d'applications, d'abnégation et d'investissement dans leur quotidien. Donc bien sûr que tout le monde est au diapason et il le faut pour redresser cette situation. Garder le cap, Nassim, c'est vraiment ce qui prédomine dans le discours toute la semaine à l'entraînement. On ne les sent pas affolés par la situation, on les sent concernés, mais encore maîtres d'eux. Et si l'on peut dire,
paramètres de la situation, parce que quand on reste sur une série de défaites comme celle que connaît l'OGC Nice, on peut pas vraiment être maître de la situation, mais en tout cas, calme vis-à-vis de tout ça. Bah, le match contre Reims, même s'il y a eu défaite, il a rassuré pas mal de joueurs, parce que voilà, les ingrédients étaient là, il y avait tout, il y avait de l'agressivité, il y avait de la technique, il y avait de la fluidité dans le jeu, il y avait tout ce qu'il fallait, il manquait que le réalisme, bon, ça l'a pas fait, mais en mettant les mêmes ingrédients contre Sochaux, il n'y a pas de raison que la balance penche enfin du bon côté. Contre Monaco, il n'y avait rien à garder de ce match-là, les joueurs ont su réagir, maintenant voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils l'ont vu contre Reims, ça n'a pas payé cette fois, mais ça ne va pas se passer comme ça à chaque rencontre. Alors Bernard, quand on reste sur une bonne prestation comme celle face à Reims, que malgré tout, à l'arrivée, il y a une défaite et qu'en plus, ça poursuit une mauvaise série. Comment on se prépare dans la semaine à l'entraînement? Sur quoi doit appuyer Claude Puel pour garder ses troupes mobilisées? Est-ce qu'il doit positiver ou encore les pousser un peu dans leur retranchement? Ben déjà, positiver, l'entraîneur est obligé de positiver. Mais une situation dans laquelle est l'OGC Nice, c'est sûr que le maître mot, c'est la confiance en soi, s'accrocher, il ne faut rien lâcher, parce que bon, il ne faut pas oublier que ce qu'a fait le club, ce qu'a fait le président, ce qu'a fait Claude Puel l'année dernière, bon, on a fait une super saison quand même, mais là, ben, il ne faut quand même pas oublier et remobiliser les troupes. On a deux matchs en championnat avant la fin de l'année, donc ces deux matchs, il faut 6 points, donc il faut la confiance, retrouver cette confiance, parce que bon, c'est vrai qu'on a fait une prestation qui était pas mal à Reims, mais il y a la défaite. Donc il faut rien lâcher, voilà, il faut rien lâcher. Alors il faut rien lâcher et être solidaire, c'est en substance le message d'Éric Botteac. On est vraiment tous à l'unisson, donc faut pas casser ça parce que on va forcément ça va jouer sur notre morale à nous aussi. Et on voit que les supporters sont patients. Cette défaite, dans plus d'un club, les supporters auraient commencé à gueuler. Ben nous, non, ils sont à fond derrière nous. Et ça, c'est ce qui nous donne envie d'aller tout casser samedi contre Sochaux. Alors, tout casser samedi contre Sochaux. Et pour cela, les joueurs ont travaillé les frappes devant le but cette semaine, Nassim. C'était une envie de Claude Puel pour tenter de battre un petit peu le signe indien, on va dire, devant les cages et face au réalisme. Il y a un problème de réalisme en ce moment parce que les occasions, on les a. On en a eu à Reims, on en a eu contre Lorient, mais à chaque fois, on n'a pas réussi à marquer. Donc oui, il y a ce besoin pour les joueurs de travailler devant le but. Ça, c'était la séance d'hier. Il y a un joueur qui s'est particulièrement illustré, hein, c'était Valentin Isseri qui mettait des lucarnes dans tous les sens. C'était assez impressionnant à regarder. Donc voilà, les joueurs sentent, c'est à la carte, hein, c'est des entraînements à la carte où les joueurs eux-mêmes décident de ce qu'ils font le jeudi généralement. Et on a vu Bozetti, Valentin Isseri et des joueurs un peu plus jeunes venir travailler devant le but pour réussir à marquer. C'est le vrai problème de cette équipe qui, je pense qu'une fois qu'on aura marqué un but, Ça va provoquer un super déclic pour tout le reste de l'équipe. Ça vous inquiète, ce manque d'efficacité, Bernard? On en reparlera dans quelques minutes avec Darius Vitanić, mais... Non, pas particulièrement. Ce qu'il faut, c'est que les attaquants de l'OGC Nice, surtout Vitanić, reprennent confiance en lui. Il faut qu'un attaquant, il faut qu'il soit bien épaulé aussi. Il faut que son groupe, son équipe aussi, l'état d'esprit est très important pour remettre en confiance un attaquant de sa valeur et remarquer des buts. Et qui dit marquer des buts, c'est les victoires et puis la confiance qui revient de tout le groupe. Alors, avant de reparler et d'approfondir sur le cas d'Darius Vitanić, on va parler d'un homme, Éric Botteac, qui est revenu la semaine dernière face à Reims. Une bonne rentrée, on peut dire, Nassim, avec peut-être un léger manque de rythme quand même. Bah c'est pour en avoir parlé avec lui, on lui a posé la question en conférence de presse d'ailleurs, et il a dit que oui, au bout de... Il sait que pour l'instant il manque de rythme, parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué, mais voilà, les sensations ont été bonnes, il a fait sa rentrée, il a eu une occasion sur cette frappe, il a tenté une deuxième, on va le voir, je crois, où il vient couper une trajectoire avec son pied droit. Bon, il n'a pas osé le mettre parce que c'est son genou qui était douloureux, voilà, c'est sur celle-là, donc il sait qu'il n'y a pas été à 100%. Mais voilà, il a fait une bonne rentrée, il a été présent, il a apporté du peps, du jus, et on s'est créé deux occasions avec lui, donc c'est une très bonne chose qu'il soit de retour. Voilà, et il est impatient, Éric Botteac, qu'on l'écoute à nouveau. Pour ma part, ça fait un moment que je suis sorti des terrains, j'ai pas l'habitude de ça, donc j'ai vraiment faim de terrain, et j'ai envie de retrouver mes sensations pour enchaîner les matchs, et
Malheureusement, il ne me reste que 3 avant la trêve, mais voilà, ça me permettra de bien préparer pour début janvier. Voilà, donc Éric Botteac, je le disais dans le sommaire, bon, là, on vient d'entendre, il a faim de match, c'est normal. C'est surtout un homme qui, dans la ligne offensive, peut apporter de l'expérience, une qualité de passe certaine, et une audace peut-être qui manque. On en parlait déjà la semaine dernière à l'OGC Nice. On l'a titré l'homme providentiel dans le sommaire. Alors, c'est un peu fort, mais c'est clairement les attentes des supporters et des observateurs autour d'Éric Botteac qui peut vraiment être le détonateur, Bernard. Je pense, parce que c'est un très bon joueur déjà, un très bon passeur. Et puis le début de saison qui a été quand même bon de la part de l'OGC Nice, il y a contribué quand même. Et je vois que bon, malgré les sept défaites qu'il y a eu, bon, les deux premières, bon, il y était, mais les cinq défaites qui viennent de se passer, il n'y était pas quand même. Et il a énormément manqué au club. Alors on vient de voir son seul but de la saison, c'était face à Valenciennes lors de la 6e journée. Il a aussi cette caractéristique, Éric Botteac, même si évidemment ses stats cette année ne sont pas très révélatrices, il a été blessé à 2 reprises et pour des durées assez longues. Mais clairement, c'est aussi un homme qui peut marquer, hein, Nassim Botteac. L'an dernier, c'est 9 buts, 7 passes. Donc derrière Dario, c'est le joueur le plus efficace de l'équipe. Donc oui, il a la double casquette passeur-buteur, à l'instar de Christian Brouls aussi, qui sait faire ces deux choses, et de Valentin Seric. Enfin, on a beaucoup de joueurs dans ce registre-là, mais c'est le seul gaucher qui évolue à ce poste. Il y a Jordan qui peut aussi être amené à jouer sur tout le flanc gauche, mais il est moins spécialiste de la partie offensive. Donc oui, Eric, il est surtout important avec son envie de gagner. C'est un vrai gagneur. Il déteste la défaite et donc oui, il peut emmener ça. Et puis bon, il a que 26 ans, mais c'est un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe en tous les cas au niveau des matchs en Ligue 1. Donc c'est une très bonne chose qu'il soit de retour. Pour le groupe. Et on parle aussi beaucoup de lui pour alimenter Darius Vitanić, messieurs, qui traverse une petite crise de confiance, on va le dire, en ce moment. Donc est-ce que ça peut être la solution pour Dario? Alors on va peut-être d'abord parler de son manque de confiance devant le but, Bernard, parce qu'on ne le connaissait pas vraiment comme ça, et il traverse un petit peu le désert en ce moment, Darius Vitanić. Comment peut-il retrouver la confiance? Est-ce qu'un l'apport d'un joueur comme Éric Botteac peut l'aider à retrouver le chemin défilé, ou est-ce qu'on retrouve cette confiance en enchaînant les séances de frappe à l'entraînement? Tout à fait, le retour de Botteac, je pense que va être important pour Vitanić, je pense. Et puis, il n'y a pas de secret, le travail, on travaille encore plus devant le but, hein, pour reprendre confiance, pour avoir des sensations de buteur. Les sensations de buteur, elles sont très importantes. Donc il y a le travail devant le but qui est important. Et ce petit but, s'il marque contre Sochaux un but qu'on gagne, je pense que ça, la confiance va repartir. Si, vous savez, c'est fragile en attaquant, hein, il n'en faut pas beaucoup, il en faut. Hein. Alors c'est ça aussi, c'est qu'il peut marquer, il peut marquer évidemment puisque c'est son poste et que c'est surtout sa qualité première, mais là en plus il va jouer à l'Allianz Riviera qui est un stade où il est d'habitude plus efficace qu'à l'extérieur, Nassim. Donc c'est aussi ça l'enjeu, c'est face à une équipe a priori plus faible, le FC Sochaux-Montbéliard, c'est l'occasion aussi pour Dario de retrouver sa confiance habituelle sur ses terres. Il a quand même mis 7 buts cette saison, c'est pas rien. Alors oui, il n'a pas marqué depuis pas mal de temps, mais il lui manque juste un but. Je pense que ça sera le déclic. Une fois qu'il va marquer, la machine se remettra en route. C'est d'autant plus dur pour lui que l'équipe ne gagne pas. Donc à la limite, s'il ne marquait pas et que l'équipe allait bien, il pourrait, on va dire, se satisfaire de son cas. Mais là, il sait qu'il est important pour l'équipe et que si lui ne marque pas, l'équipe est en difficulté. Donc, c'est d'autant plus dur pour lui. Mais voilà, les occasions, il les a. Ça serait beaucoup moins rassurant s'il n'avait pas du tout d'occasions. Là, il y aurait vraiment de quoi s'inquiéter. Les occasions, il les a. C'est déjà ça. Après, il faut juste que ça se débloque, qu'il arrive à en planter un. Et derrière, la machine Vitanić fera son retour. Est-ce que le danger, Bernard, c'est de s'agacer lorsqu'on rate comme ça, lorsqu'on n'a pas l'habitude de rater comme ça? Est-ce que c'est le danger numéro un pour Dario aujourd'hui de s'agacer et de se mettre un peu de pression? Même si on n'a encore une fois pas cette impression-là, hein, qu'il se met beaucoup de pression.
Oui, c'est sûr que c'est agaçant. Un attaquant, et pour un club, pour être efficace, il faut qu'il marque des buts. Lui, son rôle, c'est de marquer des buts. Et qui dit marquer des buts, si on marque un but de plus que les autres, on gagne. Lui, il ne marque pas. Donc, on n'a pas d'autres buteurs importants dans le club. Hein. On a des joueurs comme Botea qui sont passeurs, mais pas le buteur comme lui. Donc, il suffit qu'il, je vous dis, il marque un but, il revient, mais il ne faut pas qu'il s'agace. Et puis, cette trêve va arriver... Elle, a bien arrivé, elle va faire du bien à tout le monde. Elle va faire du bien à tout le monde. Dans les têtes et dans les corps. La trêve, justement, c'est le Zabjim dans cette émission. Petite respiration, largement consacrée cette semaine au Noël de l'OGC Nice. Le numéro 3, Colin Cézac. Bien. La même coupe. Voilà. Je ne peux pas répondre. Colin, tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de monde? On s'en fout. Et oui, beaucoup de monde mercredi donc à l'Allianz Riviera pour ce Noël de l'OGC Nice avec les jeunes du club. C'était un beau moment. On va s'intéresser à Sochaux. Messieurs, maintenant, Sochaux, on va le voir en stats, qui n'a pas franchement de réussite à l'extérieur. 8 défaites d'affilée. En gros, ils n'ont évité la défaite qu'à une seule reprise à l'extérieur. C'était lors de la première journée du côté d'Evian-Tonon-Gaillard pour un match nul. Donc, en théorie... 2 points pris hein, sur les 9 derniers matchs. Voilà. Puis en plus, exactement, ils sont sur une série, ils sont sur 3 défaites consécutives. Enfin, eux aussi sont un petit peu au fond du fait-tout, comme on dit. Ils sont derniers. Est-ce qu'il va falloir quand même se méfier d'une équipe qui peut arriver avec un état d'esprit commando et un état d'esprit rien à perdre, si j'ose dire? Bernard, est-ce que c'est pas un petit peu le danger de les voir arriver et de les voir jouer libérés? Ben, c'est un danger dans ce championnat. De toute façon, toutes les équipes, tous les clubs et tous les matchs sont des dangers. Hein. On le voit, les résultats. Vous avez Paris qui perd à Evian. Donc Sochaux, c'est une équipe qui a l'habitude depuis quelques années maintenant, pas depuis le début de saison, de jouer les derniers rôles. Donc ils sont habitués à ce genre de match et il faut s'en méfier quand même. Il faut s'en méfier. Ouais. On va écouter le coach tout de suite, Claude Puel, qui parle évidemment de cette équipe du FC Sochaux-Montbéliard. C'est une équipe qui lâche pas dans sa démarche. C'est vrai qu'elle n'est pas récompensée quand on voit le match de Marseille, où ça ne tourne pas dans le bon sens, où les décisions arbitrales ne tournent pas dans le bon sens. Ça a été notre cas également dans certaines situations. À Bastia aussi, je crois qu'ils prennent un but alors que le ballon est sorti en touche. Il y a des petites choses comme ça, mais qui sont malheureuses dans ces moments-là. Mais voilà, nous, on en a subi également pas mal. Mais ça fait partie, je dirais, de la réussite qu'il faut aller chercher. Alors la réussite à aller chercher passera par l'efficacité devant les buts, Nassim, puisque Sochaux a encaissé tout de même 27 buts depuis le début de la saison, rien qu'à l'extérieur. C'est la plus mauvaise défense du championnat. C'est clairement le point faible. Évidemment, quand on est dernier, c'est qu'il y a un problème de défense. Mais là, je pense que c'est là où il va falloir appuyer quoi demain soir. C'est là où il va falloir retrouver la confiance. Et si on ne marque pas contre Sochaux, qui est la plus mauvaise défense du championnat à l'extérieur, c'est qu'il y aura vraiment un vrai problème offensif. Il faut retrouver la confiance contre cette équipe. Ils ont pas mal de blessés en plus. Je crois qu'il y a Sébastien Roudet, Bakambu qui ne seront pas là. Donc c'est, Bakambu qui est le meilleur buteur de Sochaux. C'est d'autant plus intéressant pour l'OGC Nice. Alors oui, c'est une équipe qui encaisse des buts. C'est une équipe qui a changé d'entraîneur en cours de saison. Éric Hélier est parti, Hervé Renard est venu. Ça n'a pas changé grand-chose. Ils ne gagnent pas plus de matchs. Alors peut-être au niveau de la qualité de jeu, c'est un peu mieux que ce qu'ils montraient en ce début de saison. Il y a un point où je me méfierais, ils ont un super tireur de coup franc, qui est Sébastien Corchia. Donc voilà, l'erreur à ne pas faire, ce serait de faire des fautes un peu idiotes aux abords des 16m50. Ça pourrait coûter cher, mais au-delà de ça, je vois pas... Si on ne bat pas Sochaux,
Ça sera vraiment très dur d'espérer quelque chose cette saison. Alors on va écouter tout de suite Mathieu Bodmer qui, lui, dresse une sorte de parallèle entre l'OGC Nice et le FC Sochaux. L'avantage de Sochaux, peut-être, c'est qu'eux, ça fait un petit moment qu'ils sont dans cette situation. Et voilà, tous les week-ends, ils se battent pour s'en sortir. Nous, on s'est laissé glisser tranquillement parce qu'on était cinquième à un moment donné. On n'a pas eu 2-3 matchs, on n'est pas descendu au classement. Et puis d'un coup, on s'est retrouvé 16e. C'est un championnat très serré. Si on gagne les deux matchs, ça se trouve, on se retrouvera 10e à la trêve. Mais voilà, aujourd'hui, déjà, il faut commencer par reprendre les 3 points et avoir une dynamique positive. Et pourquoi pas imiter le PSG, Bernard, qui a atomisé le FC Sochaux le week-end dernier, 5-0. On va revoir quelques-uns de ses buts montés par Nassim Tiresh, ici présent. Bon alors, sans parler d'exemples à suivre, est-ce qu'il faut s'inspirer du jeu pratiqué par le PSG la semaine dernière, ultra offensif? Bon voilà, toute proportion gardée, hein, bien sûr. Loin de moi l'idée de comparer l'effectif de l'OGC Nice avec celui du PSG. Mais voilà, on voit que la défense est quand même très très friable. Hein, Sochaux, il y a eu des erreurs assez grossières, doublées de coups de génie du PSG, mais voilà, très friable en défense. Non, mais le club, Paris Saint-Germain, oui. Mais on est capable de mettre 3 buts à Sochaux quand même. Hein. Donc, nous, c'est l'OGC Nice, c'est le but. Déjà 1-0, mais après, si on peut mettre 2-3, oui, gagner les matchs 5-0, déjà gagner les matchs, ça sera très important. Et je vous répète, sur les 2 matchs qui restent, un championnat, avant la trêve, 1-0, je signe de suite. Nassim ? Oh, il faut gagner. Peu importe le scénario, peu importe la manière avec ou sans, il faut gagner, il faut mettre fin à cette série de défaites. Et un match nul à domicile contre le dernier du championnat, ça ne sera pas suffisant. Il faut gagner, il faut se réconcilier avec les supporters qui sont là depuis le début. Donc voilà, au moins leur offrir deux victoires pour passer de belles fêtes et tout le monde sera content. Alors je dois vous montrer une dernière image avant de terminer cette émission, image de l'Allianz Riviera, avec ce que l'on appelle la luminothérapie, donc ce traitement par la lumière de la pelouse pour en améliorer sa qualité. Est-ce que ça peut avoir aussi une influence, ça, la qualité de la pelouse? Évidemment que oui, si elle est en mauvais état. Nassim, peut-être vous qui avez tourné ces images, elle est dans quel état là actuellement la pelouse de l'Allianz? Ben là, ça va en fait. La luminothérapie, c'est pour donner des rayons UV à la pelouse sur le côté où il n'y a pas de soleil. Parce qu'à cause du toit, le soleil en tournant, il ne touche pas tous les coins de la pelouse. Donc on est obligé de mettre de la lumière artificielle pour que la pelouse continue de pousser correctement. Plus la pelouse sera bonne, plus le jeu de l'OGC Nice sera bon. Donc oui, c'est important d'avoir un super terrain. Ça a été. Ça allait il y a 2 semaines, le match à domicile, je ne me rappelle plus, contre Saint-Etienne, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la pelouse était correcte. Là, avec 2 semaines de repos sans personne pour venir marcher dessus, je pense que le terrain devrait être suffisamment jouable. Bernard, la qualité de la pelouse, un mot rapide. Pour un footballeur, c'est important. Hein. Il faut avoir un bon tapis. Parce que la mauvaise pelouse ou bonne pelouse, c'est bon pour les deux équipes aussi. Hein. Donc, l'OGC Nice, je pense que sur une bonne pelouse à domicile, il leur faut une bonne pelouse. Voilà. Bon, eh bien, ce soir, en tout cas, méthode Coué, il y aura une bonne pelouse. Festival offensif en prévision, voilà, je m'engage. Et on espère que donc l'OGC Nice va retrouver la confiance dès demain. On va regarder la journée complète avec quelques éléments majeurs, enfin quelques rencontres majeures. L'ouverture ce soir entre Montpellier et Saint-Etienne. Demain, 17h, le Stade Rennais accueille le Paris Saint-Germain. À 20h, l'affiche donc à l'Allianz Riviera entre l'OGC Nice et le FC Sochaux-Montbéliard. Et puis dimanche, 2 matchs notables. D'abord à 17h, le LOSC qui accueille le Sporting Club de Bastia et l'Olympique Lyonnais qui accueillera en clôture de cette 18e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille. Ça sera donc dimanche soir à 21h. Les rendez-vous Azur TV du grand classique. Le jour gym d'abord, tous les soirs, 18h25, jour gym de Nassim Tiresh. Le match à revoir lundi dès 19h30 sur notre antenne avec le débrief dans la foulée. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc à 21h pour préparer la rencontre face à Evian Tonon Gaillard. Et puis je vous rappelle que lundi soir, 100% Aiglon sur France Bleu Azur 103.8. Rendez-vous à ne pas manquer, rendez-vous radiophonique autour de l'OGC Nice. Messieurs, on a été complet. Merci de votre collaboration. Merci Bernard. Vous revenez quand vous voulez sur ce plateau. Nassim, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour donc de nouvelles aventures sur le plateau du Brief. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.